Il faut absolument... On va finir par débloquer 50 skins. Oh, je crois que c'est lui, les gars. On l'a eu. Let's go. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve au Brawl Stars Stick Pick de mise à jour numéro 1. La mise à jour, elle est incroyable, vous avez vu, il y a énormément de choses à raconter, à vous présenter dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Avant de tout, si vous voulez gagner un skin d'Edgar, ce petit skin d'Edgar là, vous voyez, 199 j'aime. Si vous voulez gagner gratuitement sur cette vidéo, 4000 pouces bleus, commentaires de participation avec, dites-moi le skin que vous avez préféré de tous ceux que vous allez voir. Et bien sûr, code créateur BFA dans la boutique également pour ceux qui soutiennent, etc. Les fidèles à la chaîne. Et j'ai envie de vous dire, et si vous pouvez participer sur TikTok, hein, mettre un petit commentaire là-bas sur les dernières vidéos, regardez, vous aurez également la batterie, icône de joueur, le petit spray et également le petit, voilà, l'émote. Et nous, on est parti tout de suite. On va commencer par le Brawl Pass, ce qui contient, les gars, donc un Brawl Pass qui va, alors attendez, on va peut-être recommencer depuis le début, voilà, parce que nous, on a tout débloqué, les gars. Et donc, vous avez trois variantes du skin de Shelly. Vous avez des emotes comme ceux-ci, avec voilà, sablier, etc. Je vais vous les montrer tout de façon, vous inquiétez pas. Donc les sabliers, les nanani, un espèce de tac comme ça, etc. Et quand vous arrivez vers la fin, comme d'habitude, c'est un drop légendaire, mais vous avez, voilà, à partir du palier 46, la version bleutée, ensuite la version rosée et la version rouge. Voilà. Donc je vous montre le skin, voilà, de Shelly. On va aller la voir dans, voilà, ici. Donc là, celle-ci. Ensuite, voilà, je peux laquelle c'est votre préférée. Et celle-là, voilà. Ensuite, au niveau des emotes, vous avez les trois. Je me suis les mis direct ici, voilà. Au niveau des sprays, on n'a pas grand-chose au niveau de ça. Voilà, on va vous le dire clairement. Par contre, au niveau des tags, comme vous avez vu, il y a tous les tags aussi des petits. Voilà, celui-ci, vous pouvez mettre si vous avez kiffé. Il y en a pas mal sur les sabliers. Il y a un sablier endormi. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, zone d'entraînement, tac. L'effet ici, voilà. Pas un énorme effet non plus, voilà. On va regarder dans le super ce que ça donnera. Voilà, tac, on est parti, un petit super, on va se le mettre ici comme ça. On va casser un mur en même temps, allez, bim. Voilà, vous avez vu, ça fait pas grand chose. C'est pas une dinguerie. Ensuite, les emotes, voilà, le petit sablier que vous allez avoir si vous le kiffez. Et le petit sablier endormi s'il veut bien. Il veut bien ou pas? Il veut pas. Ah, il veut pas. Ah, vous avez vu, ça fait un reset de truc, les gars. Ok, là ça le fait, très bien. Et puis voilà, vous avez ceux-là, mais ils sont pas animés, donc c'est pas ultra fun. Donc voilà, j'attends le reset, hop hop hop, merci monsieur, bim, voilà. En bleu in-game, elle est comme ça, pareil, hein, les effets changent pas, je vous montre juste les trois coloris vite fait. Et enfin en rose, voilà, même histoire. Quel est votre préféré? Personnellement, moi ça sera le rouge. On enchaîne avec Chunk, les gars, regardez-moi ça, le désert scorpion, 299 gemmes, ça fait cher si vous n'avez pas le brawler, mais le skin est quand même assez incroyable. Donc on regarde son animation, hop hop hop, voilà, très beau scorpion, très très beau, hein. Très lourd, hein, très très lourd. Batterie d'émote haché chargé aussi, avec un scorpion qui est le plus sympathique, je pense, d'entre eux. On a un spray, etc. Donc, on se met comme ça dans le lobby. Donc, on aura des effets de tir, normalement. Hein, voilà. Ok, c'est pas la dinguerie. Hein. Ouais, ok, ça va vite fait. On va regarder ça. Ok. Chouchou, chouchou. On va peut-être poser un deuxième ici. Là, tac. Hop. C'était quoi l'effet de quand il tue quelqu'un là? Regardez-moi ça là. Ça fait juste... Ah ouais, c'est pas foufou hein. Ok, là la pointe, ok. Je trouve que les effets c'est pas la dinguerie, mais par contre... voilà, le skin est vraiment ultra beau en soi. Ouais, si les petits mouvements, ok là. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, je l'aurais mis un petit peu moins cher. On passe au chef Edgar, les gars, hein, parce que celui-là, vous pouvez le gagner, donc c'est intéressant. Voilà, il est... Ah, c'est quand même beau. Hein. Edgar, il est beau. Avec, du coup, petit chef Edgar, il a... Voilà. Mais c'est pas animé, ça, d'accord? Et au niveau du tag, on avait dit qu'on avait une petite lune, là. Ça va donner ça, je pense. Voilà, tout simplement. Et on en veut pour 199 gemmes. Donc, on veut des bonnes patates. Ça donne quoi, ça? Ah, c'est l'écharpe bleue comme ça qui fait ça? Ouais, c'est propre. C'est bien. Ça me paraît bien. Ça me paraît ok, ça. Du coup, quand il tue quelqu'un, il n'y a pas eu un effet derrière. Par contre, le... Hop là. Oh, pas mal, pas mal. Les effets d'écharpe. Ça rend un peu thématique de l'autre, hein, le scorpion. Bon, après, ils sont tous dans le... Bah, dans la même thématique. Donc, ça c'est pas choquant. Donc, très bien. Ensuite, on y va. Hop, les deux doigts comme ça. Et là, ça part sur un spray qui ne sera pas animé. Ils auraient pu, parce que l'étoile a quand même des étoiles. Donc, c'est un peu dommage. On enchaîne avec Surge. 149 gemmes. C'est parti, c'est celui-ci. Le Surge génie. Pas mal du tout. Ma foi, Surge...
J'avais pas de skin dingue et là peut-être ce sera celui-là. Enfin si, il y a le Kraken quand même qui est très beau, c'est vrai, mais je m'excuse. Il y avait quand même le Surge Kraken. Donc on a celui-là, l'épée en icône de joueur, le petit emote, on n'aura pas de spray. On va prendre ici directement comme ça. Donc on arrive comme ça, premier tir. Voilà, le split. Joli, joli, joli. J'aime bien les coloris, j'aime bien le truc qui reste derrière. Hop là. Il a pris un peu une différence au niveau de la truc ou il est toujours pareil? J'ai l'impression qu'il a pas changé d'apparence. Non, il change pas trop d'apparence, j'ai l'impression. Vous avez vu quelque chose? Peut-être je verrai au niveau 4. Et je verrai. Ah oui, j'avais pas vu. Peut-être les épaulières, même pas. J'ai pas l'impression, les gars. je vois pas. Mais en tout cas, le skin est quand même très beau. Donc il est. Alors après, ça rend bien hein, quand il y a les 6 tirs en vrai. Ah, c'est pas... à la main aussi, vous l'avez vu quand il saute? Ah ouais, c'est quand même pas mal. Je vais en faire un coup là. La main, regardez, hop. La main qui part comme ça, ah c'est pas mal. On va passer à la saison Ragnarok et voir tout de suite cette magnifique Bibi 299 gemmes, le marteau, El Famoso marteau. Donc c'est parti, tac, bim. On va avoir un brawler bien chargé, les yeux, regardez-moi ses yeux, incroyable. Ok, icône de joueur, le spray, batterie d'emote. On est plutôt pas mal refait avec tout ça. On va partir le prendre comme ça. Et là on en veut pour notre argent. Hein. En vrai quand tu la vois comme ça... Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais je pense que le dans le rendu... Ah ouais, le marteau pas mal. Le petit marteau qui reste à la fin. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Les petits éclairs. Ouais. C'est pas mal, mais... la fin non plus, voilà. Et là, la bulle. Alors, attendez, la bulle. Hop, 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 hop. Par contre, les gars, je vais quand même vous montrer tant qu'à faire l'hypercharge de Bibi. Hein, vous la voulez. Donc, on est parti. On va hypercharger, on va buller ici, hop, et ça split, hop, ça split, ça split, ça split, et voilà, ça split une fois en fait, hop là, et après ça split pas. Ok, et ça lance, ah, vous avez vu, ça lance comme ça, en mode normal, on a perdu l'effet quand on était en... Incroyable les gars, c'est parti en bulle de hypercharge, et là regardez, hop, voilà, en normal. Hypercharge très sympathique, dites au passage. Cordelius, Odin. Odin, Cordelius, très beau, 149 gemmes, ma foi, celui-là, regardez, je trouve qu'il a rendu encore mieux que celui à 299. Vous allez être honnête et vous allez me dire en commentaire. D'abord, on va le voir sur le terrain. Il n'aura pas tous les effets de Bibi, mais on va voir quand même, il aura quand même un effet d'ulti, etc. Il a quand même un icône de joueur, il a quand même ça, c'est quand même correct, hop, hop. Ok, donc sur le terrain, les tirs sont beaux. D'accord, les tirs sont beaux. Bah l'ulti en fait c'est comme d'hab quoi, t'es dans l'autre monde. Ah, il y a un petit oiseau peut-être au-dessus de sa tête, voilà. Alors je sais pas, en vrai il est pas mal, non? En vrai il est très bien. Est-ce que l'autre ça vaut le coup que ça soit deux fois plus cher, vous trouvez? Alors ce méca colt les gars, bah la réponse elle est là, 299 gemmes, elle pique la réponse les gars, hein. Elle pique de fou, eh ouais. Bon, on s'y attendait, hein. Voilà, la communauté elle fait des super beaux skins et il nous les faut payer très cher. Ok. Oh, mais ils sont ultra beaux. Hein. Oh, purée, qu'est-ce qu'il est ultra beau. Avec les variantes, donc du coup, maintenant, on a option d'achat derrière. Oh, 299 à nouveau. C'est pas un petit 29. C'est possible que ce soit une erreur, les gars. Ça, c'est possible. Hein. Vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous, mais je pense pas. Parce que sinon, ça fait quand même. Ça fait quand même beaucoup, là. Là, on a claqué 3 fois 300, 900 gemmes dans 3 skins, là, les gars. Non, c'est pas possible, les gars. Donc, on a le comme ça. Ah, je sais pas lequel est le plus beau là, je vous montre lequel. Oh, le jaune, il est force jaune. Et force violette, peut-être c'est celle qui... Oh, je sais pas, ils sont tous beaux en vrai. Hein. On va commencer par le... Allez, Time for Trouble, c'est parti. Envoie, ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça j'aime. Là pour l'instant, même la fin de truc, ça j'aime. Allez, c'est parti, on passe sur un ulti direct dans sa tronche. Ouais, les coloris, ça c'est flashy, c'est comme on aime. Celui-là, il est validé les gars, bravo. Et en bas, il met un pouce. Il met un pouce vers le bas. J'ai pas rêvé, les gars. Il met un pouce vers le bas. Ah, oh, ça va être le truc des teamers, ça, les gars. Ça va être les trucs des toxiques sur le showdown. Incroyable. En rapide, la force jaune, les gars. Hein. Après, les tirs, ça a l'air d'être pareil. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Hein. Voilà. Donc, tac, tac. Petit ulti, quand même, je vous le mets. Voilà, très stylé de ouf. Et à mon sens, peut-être le coloris le moins intéressant. Parce que vous voyez, ça fait un peu sombre. Voilà. Et donc, ce sera ici. Donc, celui-là, je mets un peu en dessous des autres. Léon, les gars. Ah ouais, Léon, si vous l'avez, vous kiffez. C'est une légendaire emblématique. Pareil, 241 purée. On en douille des skins à 299 gemmes, les gars. Ça fait cher la mise à jour. Mais regardez-moi ça. Et je vous montre ça. Oh, purée, il est incroyable. Il est vraiment ultra stylé. Ah oh, là là là, va falloir tout acheter, les gars. À falloir tout acheter, parce que ça, tu peux pas avoir Léon. Je crois que c'est le plus beau skin de Léon, clairement, maintenant. Hein. Il a détrôné tout ce qu'il y avait avant. Hein.
Ça, c'est carrément fou, les gars. Voilà, on va prendre... Wow, attendez, il y a un effet, là, vous avez vu ou pas? J'ai vu, à un moment donné, c'est... Attendez. Ah oui, puis il y a les variantes aussi, hein. Il faut les prendre. Attendez. Bah ouais, vous avez vu? Tac, il part en... Il se hologramise, si je peux me permettre de dire comme ça. Celui-là aussi, donc du coup, full 299, les gars. On y va, hein. On est à 1008. On est à 1008 sur deux brawlers avec des skins avec deux variantes. Avec trois variantes. Voilà, ça donne ça. Quelle est la plus belle des variantes? Ah, c'est pareil, c'est compliqué, hein. Compliqué. Allez, on commence par celui de base. Allez, c'est parti. Waouh, les petits. Il envoie des on-spinners ou quoi, là? Incroyable. Ok, on attend l'ulti. Ça va, en vrai, ça va. Attendez, on n'a pas vu l'animation quand il tue quelqu'un. Ok, joli. Très joli. Très joli celui-là. Oh, celui-là aussi, très joli. Des petits trucs. Très joli. Quand il... Ah ouais, quand il tue. Regardez, mais c'est ça qu'on veut en fait. Faut que ça envoie quand tu tues quelqu'un. Très très bien, il est validé. Je vous mets la force blanche et je vous mets en même temps le spray. Voilà. Tac. Lequel vous préférez du coup? Bon, le spray est mignon, voilà. Mais la force blanche est bien aussi, hein. Et force grise, hein. Bon, après, les effets aussi sonores sont incroyables. Voilà. Après, au niveau des tirs, c'est tout est pareil, mais c'est vraiment le kill et il est beau, hein. Le truc, l'effet de kill, il est quand même très sympathique. Voilà. Et hop là. Donc voilà, on a une force grise qui pète aussi à plein feu. Peut-être le plus beau skin de la mise à jour, les amis. C'est à vous de dire. Le Poop Spike, les gars. 199 j'aime pour avoir un spike en forme de caca et une espèce de couche culotte avec une épingle à nourrice. C'est incroyable, non? Non, oui, il est trop stylé. Regardez, on dirait une blague. Je pense à un poisson d'avril, les gars. Incroyable. Non, non, is this real life? Yes, 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 it is. Hein. It is. Pour le coup, le spray a l'air sympa et l'emote aussi, en vrai. Donc, on va s'équiper de ce petit cacou. Bon, est-ce qu'il y a des bons effets pour ce prix-là? Ah ouais, il envoie un beau caca avec un petit arc-en-ciel derrière. Ah ouais, et puis il explose avec... Ah là là, c'est crade, hein. Comment ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs? Je comprends pas. Et là, il va mettre quoi, là? Ah là 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 là, plein de petits cacous. Ah, il est stylé, en vrai, hein. Hyper animé, hein. Hyper animé, franchement. Pourquoi il est... C'est marrant, parce qu'il y en a 289, là, moins animé que ça. Vraiment, une note sur... Moi, je mets une bonne... Enfin, je mets quand même un 10 sur 10, les gars, parce que quand même, Spike, moi, je l'adore. À l'hypercharge, ça n'a pas changé grand chose, je pense. Voilà, on va retrouver les pics normales. Bon, c'est normal, ils animent pas. Ça, on a compris qu'ils voulaient pas changer en hypercharge. Et le Baby Shark, les gars, chez Primo. Primo, il avait 50 milliards de skins, donc il lui en fallait un de plus. Donc ça part en Baby Shark. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Je vous avouerai que. Assez spécial. Voilà, mais je pense qu'il y en a qui vont kiffer grave. Voilà, donc je vous le montre quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Ok, vas-y, mets des patates. Ah, il met des. Ok, il met des sharks. Il met des sharks. Et là, ça donne quoi? Hop là. Ok, mignon. Voilà. Petit supplément suplex, il n'a fait? Non, normalement non, voilà. Que des patates. Ok. Squeaky, voilà. Squeak, quick. Alors 29 gemmes, pour le coup, 29 gemmes, les gars, les petits budgets. Vous avez un skin tout jaune de Squeak. Il est beaucoup mieux en jaune, je trouve, en plus. Enfin, c'est assez péteux, donc c'est bien, donc on y va. Voilà, donc là, on a. Bah, les tirs qui changent pas. C'est juste, voilà. Faut juste le voir lui comme ça, comme il est. Voilà, vous les mettez comme ça? Voilà, et eh ben il est bien. Les fameux skins du basket. Basket, les gars. Baseball plutôt. Baseball de Fang, voilà. Donc on en a deux. 149 gemmes chacun. On croit le premier. Donc c'est vous qui avez voté. Hein. Bon, après, on n'avait pas non plus une paille de choix hyper large. Mais bon, on a quand même. C'est quand même des bons skins. Voilà, ça change un peu. Baseball, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Je suis content quand ça varie un peu, tout ça, machin. Les coloris, on a les deux du coup. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous préférez, hein? Celui-là ou celui-là? Voyons voir les coups de savate d'abord. Les coups de savate, ça part avec une petite flamme, machin, voilà, très bien. On va regarder l'ulti après, voilà. L'ulti, on est parti. Ya, voilà, ça donne ça. La petite variante ici, voilà, hop, en bleu. Les coups de pied, tout ça, ça change pas. Ok, les skins line avec le petit Sally Balloon pour Gus, les gars, 79 gemmes. Donc on retrouve une gamme de prix qu'on avait un peu perdu. Ah, on s'était envolé 199, 299, etc. Donc on aura un truc assez basique, voilà. Mais quand même, il est bien jauni, donc c'est mignon. Voici son spooky, voilà. Et là, le tir, il est comme ça, donc c'est pas mal. Et j'aime bien en plus comment il rabat le ballon comme ça, voilà. L'ulti, il est dans une bulle avec le petit... Voilà, ça nous rappelle le petit Primo. Et puis, vous avez vu les petits fantômes? Franchement, 79 gemmes, il a des effets qui sont valables d'un 199 d'un autre. C'est juste après, il n'a pas les effets, etc. Les trucs audio, mais sinon, franchement, pour le reste, c'est franchement... Voilà, ça, c'est value, par exemple. Notre ami Brock, les gars, je vais l'acheter, 149 gemmes. Il est plus cher. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait une petite danse que l'autre ne faisait pas? Voilà, trop stylé, la grosse tête et tout. Voilà, collaboration avec Line, ça ils n'ont pas lâché. On aurait bien voulu que ça fasse une autre collaboration, un peu plus Marvel, tout ça. Et sur le terrain, bim, oh pas mal. Oh les roquettes, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus lentes. C'est marrant, hein. Oh c'est stylé quand même. Ah oh, c'est pas mal, hein.
Ah, il rend bien celui-là. Oh, regardez ce qu'il lance et tout. Ouais, c'est bien foutu les coloris, les petits effets d'ombrage. Il est très très beau. Ensuite, la petite collette, on a la Fangirl Collie. Et on aura fait le tour des skin lines, donc des petits déblocages ici d'abord. Voilà, les deux oreilles. Ils se ressemblent un petit peu tous au niveau de la grosse tête comme ça. Mais après, bon, vous avez bien vu que les effets, c'était pas mal. C'est parti, hop, elle tire des nounours. Voilà, tout va bien. Et là, on est parti avec un ulti. Waouh, super nounours lapin. Ok, voilà, alors ça part sur le lapin, le bisounours, machin, c'est formidable. Voilà, vous aimez ou vous aimez pas? Les gars, faut que je vous montre le nouveau mode classé. Regardez-moi ça, la ligue bronze, la ligue argent, la ligue or. Il y a des récompenses à chaque fois. Il y a des nouveaux ranked, des nouveaux classés, star drop, etc. Et les légendaires. Donc il faut qu'on débloque tout ça. C'est parti, mon premier star drop ranked. Let's go! Oh, on débloque le skin de Polly Mariposa, les gars. Donc on a dit, comme on a dit, on débloque les anciens skins mythiques derrière. Voilà, 500. Ok. Samblings ici. Ah, ça met des samblings. Oh, déblocage 2. Lola Cobra. Purée, je vais débloquer peut-être. Moi, le buzz. Ah, ça va être intéressant. Classé à nouveau. Voilà. 100 ici. Donc, du coup, en haut, classement mondial 4ème, les gars. Et c'est parti, il faut qu'on débloque aussi les nouveaux skins, les gars. Donc, let's do it. Il y a un nouveau skin de Dynamac. Et peut-être le nouveau skin de Chester Lucky. Le voici, les gars. Il est dans la boîte. Voilà comment ça se passe quand vous le débloquez. C'est quand même formidable. Ça, c'est formidable. Ok, 130 ici. Donne-moi le Dynamac. Non, il ne le donne pas. Allez, 170. Ça monte encore, hein. 170. Ça descend pas. 170. Ça reste bloqué. Oh, 250. Oh, ça. Papap, c'est qui ça? C'est Meg. Il a reconnu Meg Jaguar. Vas-y, nous, il nous faut le skin de Dynamic, les gars. On veut l'obtenir. Oh, c'est lui ou pas? C'est qui ça? Ah non, aucun rapport. Maraudeuse. Ok. On est. Oh, on va tous se les taper, les gars. On débloque tous les skins de la Coupe Star. Ceux qu'on a connus. Mais on a débloqué le Chester Lucky. Il faut absolument. On va finir par débloquer 50 skins. Oh, je crois que c'est lui, les gars. On l'a eu, let's go, Mike Sultan, les gars. On va voir ce qu'il vaut. Bien sûr, on a l'icône de joueur débloquée ici, etc. Hop là. Du coup, il apparaît comme ça à la maison, en mode un peu viking, etc. Donc, let's go. Allez, hop là, la petite bouboule, les deux petites bouboules, trois petites bouboules. Ouais, pas fou, ça, pas fou. Faut juste voir un ulti, peut-être, ici. Voilà, ça, c'est plus sympa. Peut-être un autre ulti encore. Voilà, celui-là, il est comment? Ah, celui-là, il est badass, les gars. On dirait le Guinness des records. Celui-là, il est très très badass, les gars. Voilà, donc ça vaut quand même le coup, hein. Dynamic Sultan avec ses gemmes. Regardez-moi ça, s'il est pas beau. On est parti. Oh, il envoie des gemmes. Il envoie des belles gemmes, les gars. Il envoie des vraies gemmes. Il envoie une grosse ici. Ah, il envoie un coffre. Et bim. Ah ouais. Très très beau. Je pense que vous voulez tous l'acheter, hein. Tout le monde kiffe Dynamic, les gars. Il est magnifique. Et là, ça fait. Oh, pas mal sur le saut. Oh, aussi, toutes les gemmes aussi qu'il envoie quand il fait. On va vouloir changer de gadget à cause de ça, les gars. On va vouloir reprendre le gadget que personne n'utilise rien que pour voir toutes ces gemmes tomber, les gars. Ils ont été très forts pour le remettre au goût du jour. Ah ouais, et le père charge ne fait rien. Ça, c'est normal, on l'a dit. Ok, les gars, nouveau mode de jeu avec le petit Spike Pookie. Non, pas Pookie, comme on dit. Enfin, voilà, Kakou, le Kakou. Spike Kakou, les gars. On est parti. On peut casser par là? Non. Alors, il y a un bot. Il est censé me donner un trophée, celui-là, non? Il y a un trophée au-dessus de sa tête. Il tombe. Je suis à 1. Ah, je suis à moins 1, je passe à 0. D'accord, j'ai compris. Je suis à moins 1 de base. On est à moins 1 de base. Ok, là j'ai une popo. Là je prends des popos aussi. Après, il faut peut-être tuer des gens, non? Ceux qui veulent se téléporter. Là, il n'y a pas de téléporteur encore, j'ai l'impression. Oh, purée, par contre, là. Là, par contre, c'était chaud, là. Ouais, c'était chaud, là. Oh, oh. Les gars, si je perds aussi, c'est relou. J'ai 0 trophée, de toute façon, j'ai pas grand-chose à ramener. Par contre, faudrait le choper, lui. Si on se le chope. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, faut récupérer les trophées, les gars. Ah, il y en a trop, lui. Après, je prends un téléporteur. Ah, il y a moyen. Ah, purée. Ah, les gars, il s'en va loin. Il vient ici. Ah, il va dans le coin. Ah, vas-y, je le. Oh, c'est un petit point. Ok, téléporteur, les gars. On voit comment ça marche. Donc là, on a 7 TR. On s'en va, on va prendre le téléporteur. On dit, on est bien à 7 TR. Genre, on la joue safe. Attends, le téléporteur est au bon milieu, mais tout le monde me tire dessus, ça va pas ou quoi? Je peux pas prendre le téléporteur, les gars. C'est quoi ce mode? Mettez des téléporteurs pas au centre. On va tous se faire canarder au centre, en fait. Il y a les gars, ils vont camper. Ou alors je fais ça.
Waouh. Et je me téléporte. Mais je me téléporte même pas là. Ok. Oh, j'ai envie de récupérer les trophées. Ah, il y en a 7. Ah, il s'en va. Oh. Vas-y. Elle va pas se téléporter du coup. Je vais envoyer plein de cacous. Oh non. Oh, c'est chaud les gars. Il reste plus qu'elle et moi. En vrai, ça veut dire soit je me téléporte truc, soit je gagne en la battant quoi. Et ça, on a pas le choix là. Ah, vas-y, je la battrai en direct. Top 1. Voilà, top 1 les gars. Et donc du coup, waouh, 17 trophées. Donc du coup, ça prend les trophées de l'autre. Badass, hein. Vous avez aimé le mode? Moi, je vais dire oui, les gars, j'ai aimé le mode. Je n'ai pas pris le téléporteur, mais j'ai aimé le mode. Et bien sûr, également, les changements à ce niveau-là. Vous allez voir les petites cartes qui changent. Donc du coup, maintenant, on a... Voilà, on peut mettre les trucs animés de Fame. Donc votre gloire ici, vous obtenez des icônes de joueurs ici. Donc là, donc, vous avez quand même, il y en a quand même un paquet. Hein. Et avec tous les hypercharges aussi animés, maintenant, ça fait quand même pas mal de choses. Et pareil, au niveau des emotes, vous voyez, là, par exemple, on a la gloire comme ça, ultra stylée. Donc il y a moyen de flex quand même maintenant avec un peu la gloire. Celui-là aussi, celui-là, il est vraiment trop fort. Et vous savez que c'est pas les mêmes. Vous savez que c'est assez sympa, voilà. Là, c'est en mars, je crois. Donc ça, je pense que je l'aurai. Celui-là aussi, normalement. La solaire sera la prochaine pour moi. Le stop est très sympathique, les gars. Je sais pas d'où il sort. Donc vous voyez qu'il y a quand même des emotes. Le baby shark, oh, qui chante la chanson. Incroyable. Ça va être sûrement pour... pack. Là ici on a le Thor également, donc il y a quand même des beaux petits pins qu'on a envie d'avoir et flex avec les gars. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez plu. On a vu énormément de choses, donc j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Je vous dis à très bientôt, ciao.